C'est un paquet, hein. Elle pense me la mettre, elle est pas prête, hein. T'as vu Bendo, il est pas bête, hein. T'as vu Bendo, il est pas bête. Pardon? Mais tape-moi sur l'épaule, fais-moi wesh ma gueule! C'est quoi ton problème? Yo pour la vie, je t'ai ramené à la mairie, tu m'as dit c'est pas vrai! Yo 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 yo! C'est pas grave, c'est pas grave! Non, c'est pas grave, je suis passé par là! C'est pas grave, si t'as le cœur irréparable! Allô? Ouais, non, je t'appelle pour te demander à quoi tu sers exactement. Ouais, non, parce que je réfléchissais à ça, puis à première vue, on dirait vraiment que t'es inutile. Ryanair. J'en ai connu des trous du cul. Hein. Ah, j'en ai connu des merdes. Mais alors, vous, vous êtes vraiment sur le podium, quoi. En première place, même d'ailleurs. Je vous offre la première place. Soyez contents. Vous êtes des grosses merdes. Voilà. Vraiment. Plus jamais. Mais je crois que c'est vraiment, réellement, plus jamais. Je payerai plus cher. Mais au moins, je donnerai de l'argent à des gens corrects. Pas des grosses merdes. Pour expliquer rapidement, je reçois un mail. 2 jours avant mon départ, pour me proposer de m'enregistrer en ligne si je le souhaitais. Chose que je me suis dit, c'est intelligent, je vais gagner du temps à l'aéroport, je vais m'enregistrer en ligne. Sauf qu'au moment de m'enregistrer, en fait, j'ai qu'une seule option, c'est celle de payer en plus pour choisir la place de mon siège. Je n'ai rien à faire. Hublot, couloir pour 1h30 de vol, je ne vais pas payer 12 balles pour choisir un siège qui sera aussi mal confortable que celui d'à côté. Je m'en fous. Donc du coup, je refuse et je me dis, vu que je ne peux pas me checker en ligne sans passer par la case paiement pour un siège dont j'en ai rien à foutre, je ne m'enregistre pas. Voilà qui me demande 55€ au guichet pour me dire bah pour vous enregistrer ici c'est 55€. Et dai. Ah sorry. Pardon. Est-ce que tu veux mon cul aussi ou j'ai pas compris en fait. Bon sinon à part ça, je vais à Ibiza dans un hôtel absolument incroyable que j'ai trop hâte de vous te faire découvrir. Donc smile, on se détend. Vous connaissez mon impulsivité, j'ai beaucoup de mal avec les choses un petit peu qui me paraissent en tout cas un peu injustes et un peu malhonnêtes, mais je vais quand même kiffer mon séjour parce que Ibiza c'est la première fois. And I know tooth isn't supposed to cry, but you make me feel this kind of high, like the syrup will burn my eyes. So just pull over, right now me a cruise over, lover, just yeah. And if you let me find your way back home to me, you will find your way back home to me. So you can do it like this.